Écoutez, je m'appelle Alain Grousset, je suis écrivain de science-fiction depuis 25 ans maintenant. Passionné par la science-fiction, puis j'ai fait plein de métiers à cause de la science-fiction. Directeur de publication, lecteur professionnel au Fleuve Noir. Après, qu'est-ce que j'étais, critique au magazine Lire pendant un quart de siècle. Et puis, j'ai écrit de la science-fiction. Voilà, j'ai été directeur de collection chez Flammarion. Donc bref, une passion qui est devenue différents métiers. Le dernier livre, oui, c'est un concept un peu bizarre que j'ai fait avec Pierre Bordage. On se connaît bien, on s'apprécie bien. Et donc lui a écrit un livre pour adultes et moi j'ai écrit un livre jeunesse, mais c'est sur le même monde avec des personnages qui interagissent entre les deux. Mon livre se passe 20 ans après le livre de Pierre, mais il y a vraiment une très forte interaction entre les deux. Donc ça a été très amusant à faire, enfin amusant pas tout le temps, parce que Pierre est un scripturant, c'est-à-dire que tout lui vient au moment où il écrit. Et moi je suis un structurant, c'est-à-dire que j'ai besoin de tout savoir avant de commencer. Donc on avait ce rituel, tous les matins je l'appelais pour lui poser des questions pour la journée suivante. Il me disait « je ne sais pas encore ». Donc il a fallu que je freine un petit peu, attendre 2-3 jours pour que son chapitre soit écrit, ainsi de suite. Donc un petit peu de décalage. Mais c'était très 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 intéressant, ces deux manières de travailler qui sont complètement antinomiques et puis finalement on s'en sort. Alors l'univers, ça se passe sur une planète qui s'appelle Gigante, qui est absolument 18 000 fois, je crois, on avait fait le calcul, 18 000 fois plus grande que la Terre. Il faut un siècle à un avion qui vole à 900 km/h pour faire le tour. Donc vous voyez, les proportions sont absolument incroyables. C'est lorsqu'on voyage pour aller d'un point A à un point B, il faut 20 ans, quoi, terrestre. Mais sur cette planète, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est un flux électrique. Cette planète est très très électrique. Et bon, voilà, y a le héros de Pierre va découvrir un moyen de voyager plus vite grâce à ce flux de lumière. Mais tout le monde n'est pas capable de passer à travers ce flux. Alors il y a d'autres gens qui ne sont pas capables, qui eux voyagent, c'est des voyages générationnels. Ceux qui partent ne sont pas ceux qui arriveront. Mais voilà, c'est leur philosophie de vie. Ils l'acceptent volontiers d'être des passeurs de leur société en attendant que les petits enfants arrivent à destination. Voilà, donc c'était ce caractère gigantesque qui nous intéressait vraiment. On avait de quoi vraiment s'amuser et on s'est bien amusé. La science-fiction, je suis tombé dedans assez jeune et cette passion ne m'a plus jamais quitté. J'ai collectionné comme un fou, je collectionne encore. Je ne suis pas la librairie Mola, mais je suis un petit Mola dans mon village parce que j'ai plus de livres que la bibliothèque municipale. J'ai ma bibliothèque, je dois avoir 15-20 000 livres de science-fiction. Je suis un grand collectionneur là-dessus. Et puis en même temps, bon, bah, cette passion, cette liberté qu'offre la science-fiction m'a intéressé. Et puis tout naturellement, j'ai commencé à écrire des nouvelles, plus des romans, très souvent avec un autre auteur qui est une femme, qui s'appelle Danielle Martin-Eagle. Donc on a vraiment écrit plus de 25-26 livres ensemble, je crois. Et bon, voilà, on s'entendait bien aussi. Là, on était deux structurants, donc là, ça allait bien, superbe. Mais voilà, c'est une passion qui dérive tout au long de la vie. Ça, je trouve ça absolument génial. Quoi. Je souhaite ça à tout le monde. Il faut y arriver. Le problème, c'est qu'en étant ancien, dans le milieu, depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, dans le milieu de science-fiction, je connais tout le monde. Donc, je n'ai pas d'auteur à découvrir en France. Mais bon, c'est vrai que Pierre a pris une claque. Un autre Pierre, qui est Pierre Pelot aussi, qui m'a vraiment intéressé en lisant ça. Bon, après, les Américains, bien entendu, mais là, il y a un champ d'investigation absolument énorme. Donc, je découvre, je reviens en arrière, je vais dans la bibliothèque. En ce moment, je suis en train de lire Le cycle d'Omal de Laurent Généfort et je prends un pied terrible à le lire. Donc, c'est sorti il y a quelques années, mais ça fait rien. C'est un peu comme le vin, je laisse vieillir un peu les bouteilles, mais je laisse aussi vieillir les livres. Et quand vraiment ces livres surnagent dans le maelstrom, je vais les rechercher, je les repêche et puis je prends plaisir à lire. Et le véritable plaisir, c'est lorsque je perds ma casquette de critique, que j'ai été longtemps, ma casquette d'auteur, et que je redeviens simple lecteur. Là, c'est que l'auteur a bien fait son travail. Je ne vois pas les ficelles, quoi, voilà. Comme si un chef cuisinier va au restaurant et prend plaisir à manger un plat tout simplement, sans se dire qu'est-ce qu'il a mis, qu'est-ce que... Non, simplement le plaisir. Voilà, ça c'est bien.